In time, you will know the tragic extent of my failings. Ok, désolé, j'étais en train de manger un bout. Je pensais qu'il allait parler un peu plus longtemps. Alors, on est de retour. Alors, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que on voulait faire le nécromancien. Et je suis allé regarder, c'est vrai qu'il va être souvent en quatrième position. Il va être très souvent en quatrième position. Et nous, on a un petit problème pour combattre, en fait, en quatrième position. Il y a la lance sacrée. Et c'est à peu près tout. Le mieux qu'il nous faudrait, ce serait Ornstein. Mais il n'est pas prêt encore. Pour ça, en fait. Pour le signe de fer, j'avoue. Ou alors, avoir un... D'avoir lui, quoi. Et en gros, on y va au dot. Mais je pense que ce serait plus solide d'avoir trois gros personnages, en fait. Donc, on va aller voir. Aussi, j'ai regardé pas mal de gens. En fait, quand ils font les boss comme ça, là, les niveaux 3, du coup, en champion, ils sont déjà avec de l'équipement rouge et tout. Moi, j'y vais un peu trop tôt, en fait, apparemment. J'y vais légèrement trop tôt. Eh ben, c'est cher. C'est joli, hein, la massue. La grande croisade. Après, ça veut dire quoi? Le fardeau. La main de la lumière. Honnêtement, je suis sûr que ça passe. Je suis sûr que ça passe avec ça. Ouais, les gens sont... Genre, tout en rouge. Et ils ont full babiole aussi en rouge. C'est pas vraiment ce qu'on a, nous. Non, on fait encore... Bah, on fait avec ce qu'on veut. Ce qu'on peut, pardon. On est... Ouais, je pourrais prendre beaucoup plus mon temps à farmer et récupérer plus de choses, quoi. Au lieu de foncer comme ça. Enfin, c'est même pas foncer, c'est juste... Bah, on fait des trucs, quoi. Alors, lui, ça va être notre DPS. Alors... T'as déjà plus 10 en stress, on va peut-être pas exagérer. À la limite comme ça. Après c'est... les ruines... Le machin il est quoi? C'est un impie je crois. Ouais c'est un impie le machin. Le nécromancien. Donc nécromancien impie. Dégâts... Critique dégâts... Est-ce qu'on a des trucs genre super buffés pour les impies? Contre les horreurs, maçonnerie. Non, on n'a pas d'anneau qui augmente les dégâts contre les impies en fait. Non. Après lui, est-ce qu'on le met au... Non, on va pas le mettre en rang. Pas le mettre en rang 4. On va pas mettre le bouclier du coup. C'est quoi? Ah oui, c'est la vitesse au premier tour. Alors là, t'as quoi? J'en ai fait étourdissement. Un déplacement. Ouais, ça c'est pas mal, du coup, pour la façon dont on va le jouer. C'est pas mal du tout. Il nous faudrait...
la limite la protection 25. Toi on te met ça. HP esquive. De vie. Ça va, elle risque pas grand chose, elle, en théorie. Là, on augmente le saignement. Pas les chances de saigner. 20%, c'est très bien. Et après, on met... Alors la cape solaire, c'est pas mal. Critique plus 8%. Critique plus 8%, ça peut être bien. Plus on fait de critique et mieux c'est de toute façon. Et en plus ça dure peu longtemps du coup les... Les dots. Ça dure 5 tours au lieu de 3 je crois. Bon, lui, il devrait faire mal contre les impies. Il devrait faire très mal, parce qu'il a les ruines. Puis après, je suis sûr qu'il a un passif contre les impies. Honnêtement. Ouais, on devrait pouvoir se débrouiller. Alors, ça, ça... Ah oui, il fait du saignement, j'ai vu. Ça, on les utilisera en début de combat. Enfin, avant de rentrer dans la salle. Ça, il faudrait tester un jour aussi, quand même. J'ai envie d'en prendre, ça aussi. Il immunise l'esprit contre les horreurs des ténèbres. On va voir si on fait ça, et on en prendra 4, et on les prendra avant. Je sais même pas si on peut les prendre avant. Allez, c'est bon. On va tester. On verra si ça marche. J'ai apporté mes collègues avec beaucoup de leur intellect intact. Un remarquable triomphe pour même le plus expérimenté necromancer. Freed from the trappings of their humanity, they plied their terrible trade anew. The dead reviving the dead, on and on, down the years. Forever. Ah, c'est pour ça qu'il y a plein de squelettes et tout ça. Des morts qui ravivent des morts. Holes. Only the mad or the desperate go in search of him. On a une belle équipe. Allez, c'est parti. C'est bien. Non. Là, il fait très mal hein, par contre. Hein. A dizzying blow to body and brain. Eh les mecs, vous pouvez éviter de faire de la merde. Joli.
inspiration and improvement. D'étourdissement, putain. Their formation is broken. Maintain the offensive. Bon, après ça c'est des bêtes, hein. C'est pas des impies, donc bon. Confidence surges as the enemy crumbles. Oh, putain, ils font mal en critique. Hein. Enfin, ils sortent beaucoup de critiques, je trouve. Ah, d'accord. Que deux. Intéressant. Ah, il pourra rien faire, l'autre il est invisible. Ah, j'aurais dû utiliser du régène. On va devoir faire le stress dès le début plus souvent, je crois, sinon on va avoir des problèmes avec le stress. Pas mal. Et toi, ni que toi. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Voir, tu vas te prendre. Remind yourself that overconfidence is a slow c'est chaud, and insidious killer. Faire ça. Évidemment. Carelessness will find no clemency in this place. Très bien. Beaucoup de choses hein, quand même dans les runs, les gros runs. On n'en fait pas assez. La table d'alchimie, c'est pas là où on met une torche et ça fait quelque chose? Une mixture lumineuse. Ah, ça te met à 100. The path is clear. We require only the strength to follow it. Très bien. Ça devrait mieux se passer contre des squelettes en fait.
Et maintenant, 17 à 32. Ouais. Ça aurait pu être mieux. Déjà, on prend moins de stress, c'est déjà ça. Yes. Give them no quarter. Encore heureux qu'on lui a mis ça, hein. Non. Putain, on était bien, là. Non, mais tant sans déconner, quoi. Incroyable. C'est pas fameux. Bien joué. Plus 24. Il m'a mis plus 24 de stress. Alors là. Incroyable. Incroyable. Of war can be healed, but never hidden. J'ai envie de partir déjà. Pas la joie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? This expedition at least Gantlet de la tentation. Wow. Putain. Gobelet, pardon, pas gantlet, gobelet. Putain. Putain, tu. Bah merde alors. Ça fait 2002. PV, vitesse et esquive. Puis après, il faut gérer le stress, quoi. Putain, mais c'est vachement bien. Ah merde. Bon ben.
Assez spécial quand même. Ah, faut faire des runs comme ça en fait plus souvent, putain. Je pensais pas qu'on pouvait trouver des trucs comme ça. Joli. Évidemment. Bon dégât. Je vais en finir, mettre fin à Franck. Ok, ça marche. On n'a pas intérêt de se louper, hein. Très bien. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ça c'est 1700, mais ça c'est 2400. Donc c'est pour ça que je les garde en fait. Enfin, à la limite, ce qu'on devrait faire, c'est peut-être virer les blasons. Mais bon, les blasons aussi, on en a besoin. On a encore besoin de tout, de toute façon. Bon, après eux, on campe. Donc ce serait bien que bah, ça se passe bien. S'il vous plaît. Voilà, ça commence. Bien. J'essaie de voir si on peut gagner du temps, mais il n'y a que elle qui a besoin de stress, problème de stress. The slow death, unforeseen, unforgiving. Je pense que le boss va bien se passer, mais je suis pas complètement vendu en fait. The wounds of war can be healed, but never hidden. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ouais, on n'aura plus besoin de torches. C'est quoi ça déjà? C'est soigner le stress. Ok, on va camper. Ouais. Circle in the dark. The battle may yet be won. Empêcher les embuscades nocturnes. On va prendre celui-là, je pense que ça. Ça va pas vraiment apporter grand-chose. Vigile fanatique.
Lumière, accorde-moi la force de surmonter tout ce qui se dressera sur notre chemin. Donc, esquive et crit. Bouger ses pieds. Et pas perdre la tête aussi. Et dégâts et crit. Ça m'a tué très de nombreuses choses à apprendre. Voilà. En théorie, ça devrait passer. Mais bon, ça fait un peu peur quand même. C'est pas... C'est pas le truc parfait, quoi. Taper dedans. Putain de toi quoi. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. A devastating blow. Injury, palpable fear. Ah, tu vas pas mourir, toi. On va faire ça. Parfait. The blood quickens. Impressive. Je pense que sur le boss ça va mieux se passer, mais je suis pas complètement certain. Je sais pas. Je sens que ça va être la merde, quand même. Tout va être un problème, c'est bien. On n'a pas exactement la meilleure des configs. Sauf si lui fait le fou hein, et qu'il défonce tout. Possible aussi. Non mon dieu, mais c'était sans déconner quoi. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Coffre déverrouillé. On a une chance sur deux, j'imagine que c'est ça. Ah non. Non. Putain de collecteur quoi. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a pas vu. A brilliant confluence of skill and purpose. Mmh.
Mon dieu. Ah super, super. Oh la vache. The ground quakes. Ah mais je peux pas l'attaquer. Les garder. Du coup on va faire... ça. Donc moi ça touche deux. Tout le monde saine, c'est bien. J'ai des têtes. Là, il fallait que ce con il vienne quoi. The wounds of war can be healed, but never hidden. Je sens que je vais devoir le tuer lui parce qu'il va faire que spammer la garde. Ah bah tiens, après je peux tuer les autres aussi quand même. Ouais, il spam ça. Donc on va le saigner à fond. Pas très fan de ce qui se passe là. Ah, il a résisté. Le problème, c'est qu'il risque de nous foutre dans la merde, en fait.
Allez. Très bien. Très bien. Très bien. Yes. Doucement. Nickel. Putain de toi, quoi. Saloperie, quoi. Putain, la mission maudite, en fait. La mission complètement maudite, quoi. Du coup, ça nous sert à rien, en fait. L'antidote, à la limite, ça sert à rien. Je pense qu'on est bon comme ça. Ah putain, mais j'y crois pas, quoi. Faut que je boive un coup, moi. Ah, c'est la mission vraiment... vraiment difficile pour pas grand-chose, quoi. Is struck. A blazing star is born. Ben, espérons que c'est le bon endroit. Alors, on va garder ça. Ça, je pense que ça va. La protection, je sais pas si ça vaut le coup. Esquiver stress. Il y a peut-être ça qu'il faudrait. Alors comme ça. Ok, on est bon. Là, j'aurais dû manger, mais quel con. Oh la vache. Putain, tu fais mal. T'aurais pu faire un critique, hein, quand même. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Donc ça se fait combien de saignements? 8. Ah oui, c'est pas mal. Ah là, c'est bien. Comme ça. Si je le pousse, yes, on va pouvoir s'il bouge pas. Nickel. On va pouvoir taper la première habilité là avec lui. Comme ça, ça fait 5 au lieu de 4 de sang. Sauf s'il bouge en troisième. Ah, bon, c'est pas grave.
Ouais, ouais. Parce qu'ils sont invisibles, ils sont furtifs. Combien? 5 à 11. Ça sert à rien de les tuer de toute façon, parce qu'après ils font que réapparaître. Très bien, donc on a buffé. On va faire ça maintenant. Ouais, bon, c'est un peu con parce que c'est sur le même. Mais au moins, lui pourra se mettre en position pour attaquer derrière. On est bon. 25 de dégâts, très bien. Je n'aime pas ça. J'aime pas ça non plus, mais t'inquiète. Alors, est-ce qu'on rebuff ou pas? Fais voir. Un combat, deux combats. Enfin non, deux tours. Ok, donc on peut maintenant faire la riposte. Honnêtement, en soi, on est bon. De toute façon, ils sont résistants quand même. Yes, bien joué. Et là, c'est la fin. Sauf si il se loupe. 18 à 34. Putain, t'as fait le plus grand. 34. Sans critique, c'est bien. Et on a gagné. With no living sinew to actuate them, will these walking bones finally fail? Voilà. Très très beau. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Très très beau. Bien joué tout le monde. Bien joué tout le monde. Ah, c'est vrai que les champions, il y a quand même beaucoup d'argent à se faire. Donc si jamais on veut vraiment se faire de l'argent, on fait un court champion, je dirais. Il y a quand même énormément de loot. Ou même des objets et tout. Ouais, ça vaut le coup. Mais il faut un petit... Ou alors un moyen à la limite. Alors, dernier souffle. Moral de fer, dernier souffle. Non. Critique moins 2, ça c'est chiant. Besoin intense d'accomplir certaines actions. Il n'y a rien de très intéressant. Ils étaient tous niveau 5 6 pardon, je crois. A fresh irritant to some. Alors, Gwendoline, c'est bon, Durance permanent, c'est bon. Nickel. Ouh. Ouh. Ah, en plus, ouais, ça nous fait énormément économiser énormément d'argent quand même. Tout, genre, il a tout au niveau 3. Plus l'équipement. Plus 4 trucs, ça fait je sais pas combien. Genre, c'est quoi? C'est 500 maintenant pour débloquer une habilité. C'est 500, après c'est 170, un truc comme ça. Allez, on va dire que c'est dans les 800, quasiment 1000 en fait. Pour avoir une habilité à 3. Genre si on l'a pas. Donc on va dire qu'on a économisé un 4000, 8000. Puis après pour aller au niveau 3, ça doit être au moins pareil. Pour chaque.
Ouais, on a que nos 15 000, un truc comme ça, je pense. Plus ça. Donc, ouais. On va virer lui, je crois. Après, on n'a pas de, de bouffon. On va éliminer lui. Slumped shoulders, wild eyes, and a stumbling gait. This one is no more good to us. Quoi ça? Okay. Oui, ça c'est bien, mais je crois qu'on en a un, non? Non, on en a pas. Ah si, si, on en a. Ok. Donc on a eu le boss. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le pistolet, je crois qu'on l'avait déjà vu. Oui, c'est le super pistolet, super bien. Alors, résistance saignement 50, maladie 50. Je vais voir un peu si on a des trucs à virer. En tout cas, ça a bien fonctionné. Hein. La visée faillible, qui est un peu chiant. Ça a bien fonctionné, notre stratégie, hein, avec, avec le chevalier et tout ça, et l'autre qui stun, qui avance, machin. C'est... Ouais, je suis content, ça a bien fonctionné. Il y a peu de gens qui utilisent des trucs comme ça. Je vois souvent les furies. Nous, on n'utilise pas énormément les furies, j'avoue. Mais ouais, beaucoup de gens font ça. Ah, c'est très bien aussi. Hein. Mais là, du coup, on fait un truc en deux temps. Ouais, non, c'est différent, c'est bien. Bah, je sais pas quoi faire. On a eu quoi, donc, du coup? On a eu... Ah oui, on a eu un truc en or, ouais, ça. Dégâts contre les impies. Dégâts et critiques. C'est pas mal, ça. C'est bien ça. Alors maintenant, ce qu'on veut faire. Donc on a toujours un... Alors, 3 ou 4. On n'a pas de tank. Ah si. Ah mais c'est la sorcière. La sorcière, donc il faut des... Oui, on est toujours en fait... On a toujours un problème avec la sorcière. Quoi. Bon, maintenant on a elle qui peut soigner. On peut faire ça. Gaël qui va être inutile contre la sorcière. Ça, on veut pas taper le pot, on veut tuer elle. Elle, je pense pas que contre la sorcière elle va être utile non plus. Là on a. Oui oui, oh là là, arrêtez de parler là, ça m'énerve. Équipage ruisselant de niveau 1. 1, 2, 3. 4. Non. Ah, peut-être qu'on a un truc. Ça.
Là, je sais que elle, elle va être bien. L'autre boss, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un... C'est pas un squelette, genre un pirate. C'est pas des pirates. Genre peut-être comme ça. Genre un groupe comme ça, peut-être ça passe. Après on a ça qui est intéressant. Mais c'est long. Est-ce qu'on a des gens 5 genre à monter vite fait? Genre on peut remonter quelques personnes en faisant ça, en essayant de terminer ça. Et on gagnerait le pistolet de l'ancêtre qui est... Bah je sais pas en fait. Est-ce que c'est bien vraiment? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de précision? Surtout si on est buffé. Moi, je vois bien faire ça, en fait, avec cette équipe. Après, c'est pas l'idéal, parce que... Il y a la créature, là, que j'aime... Bah, le... Je sais plus comment il s'appelle. Que j'aime pas trop, mais... Comment il s'appelle? L'abomination. Mais peut-être que, du coup, ça va fonctionner. Puis ça nous fait un peu d'argent. Faut toujours lier les deux choses, hein. Toujours l'utile à l'agréable. Et l'argent, c'est utile. C'est agréable aussi d'en avoir. Ah, on va en... Genre dans quelques semaines, je dirais pas beaucoup, on sera déjà... Je pense qu'on pourra avoir tout au niveau max. Puis la guilde, pareil. Ça va être pas mal. Ah oui, il faut voir le stress. Je crois que le stress, on a des problèmes. Bon, toi, à la limite, tu peux gérer le stress si c'est un... Si on fait une pause. Toi, non. 1700. Ah, mais j'ai pas envie de balancer mes trucs. Oh putain, c'est cher, la flagellation. Toi aussi, tu veux faire que... Ouais, t'as un flagellant. Putain de merde. Oi. Bon. Je dirais qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt. On va partir. Ah, équipement. C'est encore une fois, c'est un niveau 1, mais on a des trucs super super élevés. Donc nous, on est en cric. La cric, c'est le truc qu'on fait quasiment jamais. C'est avec les poissons, avec la poiscaille. Le cove, en anglais. Mais ça, je m'en rappelle de ça. Je crois que... Qu'est-ce qu'ils disent? Aspect vengeur menaçant d'emporter tout ce que nous avons bâti dans leur domaine ténébreux, accordez-leur une mort de marin une bonne fois pour tout. Oui, c'est les pirates, ça, je me rappelle de ça. Protection plus 15. Oh, c'est pas mal ça. On fait voir le reste. Ça. Vitesse. Très bien. Par contre, comment ça s'appelle? Le pirate boss, là, c'est quoi? C'est un impie? Parce que je crois que c'est un fantôme. Non? Enfin, c'est un esprit.
Je pense que c'est un esprit. Hein. Parce que nous, on a ça maintenant. Dégâts et critiques. Je crois que c'est un esprit. Je suis quasiment sûr que c'est un esprit. Genre, dégâts mêlés, stress. Alors, dégâts persa. Ok. Après, je sais pas si on peut les l'infecter, le saigner. Ah non, saigner, non, c'est un esprit, j'imagine que non. Enfin, c'est un fantôme. Il doit être un peu comme les squelettes. Moi, je les vois plus que. Je le vois plus comme un. Ouais, comme un squelette en fait. Moins 2 d'attributs. Ah putain, t'as eu ça, visée faille. Oh non. Merde. Ça va nous faire chier. Bon, c'est pas grave. Bon, toi. Faudrait que tu. Alors, c'est quoi ça, PV max? Vitesse, esquive, beaucoup de stress. Mais on avait pas un truc pour le. Ah, mais non, on l'a pas eu. Genre un objet qui baisse le stress quand il se transforme et tout ça. Les fanatiques. Je sais pas ce que c'est, les fanatiques. Qu'est-ce que je fais? Je regarde sur internet vite fait ce que c'est, les fanatiques. Ouais, mais je sais pas en fait ce que c'est en anglais. Ouais, j'en sais rien. Pas grave, on s'en fout. On lui met ça. Ça lui fait pas mal de PV en plus. Alors, fais voir, parce que maintenant on va devoir passer à la banque. Toi, on va te mettre. Je commande ça. La plongée, ça va être bien. Pour faire des bons dégâts. Enfin, j'espère. Merde. Ah, et ça coûte cher ces mecs là en fait. Il y a toutes les habilités, ils peuvent utiliser toutes les habilités. Du coup, oui, ça va coûter cher au fil du temps. Alors, résultat des courses. Peut-être enlever ça, on va mettre l'infection. On peut même augmenter le couteau là. Autant qu'on y est, autant le faire. Couteau. Pam. Nickel. Alors, on a L, comme d'habitude, on fait tanker machin. Après, là, on a. Tous les compagnons seraient là. Embuscade nocturne. Ah, je crois qu'il faut acheter ça. Toi, t'as quoi d'intéressant? Uniquement sur soi, dégâts 25%. Tous les compagnons vont stresser. Qu'est-ce que t'as d'autre? Vitesse. Et après, il y a. Résistance. Donc, je crois que lui, il va stresser à fond, quoi, c'est ouf. Surtout si on lui met ça. Je pense que je pense que c'est une connerie. Après, t'as les habilités pour enlever le stress. Ouais. Aïe, 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 aïe.
Non, mais en fait, c'est un groupe. Bah, c'est pas top en fait, parce qu'il y a personne qui va augmenter les dégâts. Bon, la plongée va faire mal parce qu'on peut infecter avec plusieurs personnes, c'est déjà ça. Je sais pas trop quoi faire avec lui en fait. Mais il faut qu'on achète au moins le truc de la nuit là. On pêche les embuscades. Ça va être une catastrophe niveau niveau stress. Ça va être une pure catastrophe. Ok. Ah oui, ça, merde, putain, on fait chier, pardon. Au final, on va pas faire grand chose en fait. Du stress et stresser les autres. Ça, c'est pour enlever la lumière. Stress moins 50%. Un compagnon avec okay, de la défense. Bon, allez. Je pense que ça va bien se passer. Comme j'ai dit, on est, c'est pas comme si on était bas niveau. Hein. Même si c'est pas l'idéal, je vois pas, vraiment avoir de problème. J'espère en tout cas. Ouais, c'est parti, 1, 2, 3, c'est parti. Ouais, je pense pas qu'on va trop avoir de problème. Prying eyes had become a nuisance along the old road, and so I undertook to receive my most curious deliveries by way of marine shipments. A sheltered jetty was accessible by a narrow stone stair off the back of the manor, and a discreet system of pulleys could hoist even the heaviest prizes up the rock face from a securely tied dinghy below. Okay. Je suis sûr qu'il les a tous tués. The poor devils, chained and drowning for eternity. Je suis sûr qu'il les a tous tués. Non, merde, c'est elle qui doit faire. Another mariner, another misfortune. Il y a strictement rien dans le. Dans le couloir. Très bien. Très bon repérage. Hein. Ok.
très bien. Donc, ça va, on a deux combats à faire. À la limite. Toi qui va passer en deux. Ouais, ça va. C'est parti. On va voir le premier combat, comment ça se passe. Hop là. J'adore ce truc. Alors, je peux strictement rien faire. Alors, vitesse, protection. T'as eu quoi en fait en bonus? Autre compétence. Protection, autre compétence, vitesse 2. Plus 14%. Alors. Là, tu mets de l'esquive en moins et de la vitesse en moins aux gens. Et là, t'en touches 2 et ça fait bonus sur soi, griffure. En fait, il faut faire faux spam et griffure, quoi, une fois que tu fais ça. Pas mal, pas mal, pas mal. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ah, ça peut être une bonne idée, hein, peut-être. Hein. Ça peut fonctionner. Voilà. Juste le stress, en fait. C'est un peu compliqué à gérer. Oh la vache. Ah, ça va peut-être être une horreur, le machin. Pas un impie. Ah merde, j'avais oublié qu'il y avait horreur ici. Ah, quel con. Je crois qu'elle a une babiole qui lui sert à rien. Par contre, le stress, ça y va aussi. Chaque fois, j'oublie horreur, en fait. Parce que pour moi, c'est des poissons, gros. Dans ma tête, c'est pas horreur. On devrait mettre du stun sur lui à la place. Surges as the enemy crumbles. Mortality clarified in a single strike. Continually onslaught. Destroy them all. Ah là là. Est-ce que c'est bien le stress?
faux blow. Eradicated. As victories mount, so too will resistance. Infection, niveau de base, autre compétence. Ouais, va être chaud. On va voir si je peux pas baisser le stress sans le jouer. Sans le transformer. M'étonnerait. The blood quickens. Pas qu'ils prennent trop cher, enfin pas de critique en tout cas. Comme ça, ils stressent pas. Et on spam le soin. Quand il est en première ligne, il sert à rien à part... le soigner, quoi. Ah, toi, tu vas prendre cher. Esquive un peu, quand même, mec, hein. À 35. Et voilà. On est trop. Ah, mais attends. On va camper ici. Gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Parfait. Alors, donc d'abord ça empêche les embuscades. On comprend pas ce que tu dis. Alors on a mental d'acier. Après, un truc qu'il faudrait peut-être le jouer, mais on n'a pas là, hein, mais c'est avoir une bonne chose là. Comment on appelle ça? Un truc positif en fait quand il est stressé. Genre je sais qu'il y a des... Il y a pas mal de babioles qui peuvent augmenter ça, genre on lui met ça quand il est prêt à devenir fou, on fait un combat, après il devient fou, enfin il stresse. Puis il a un truc positif, puis après on rechange les babioles une fois le combat fini, on va faire un boss ou on va faire d'autres combats, quoi.
On a rien d'intéressant, c'est ouf. Compagnon, plus 20 partout. Là, c'est plus 40. Mais là, il y a plus de trucs. Il nous reste 2, stress moins 15. Moins 4 de combat. Voilà. Is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Encore un combat là. Joli. Ah bah l'autre elle a rien eu besoin de faire, ok. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oh, il a dit la phrase, il a dit la phrase. Il a dit la phrase. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Ok, là, si on peut, on essaye de faire en sorte de gagner un peu de temps et de baisser son stress. On a zéro stun en fait, c'est un peu ça le problème. Agrégat. Yes, tu bouges vite. Ça, c'est bien ça. Bon, on peut pas le one shot. Ça.
Je crois qu'on va se remettre en humain et jouer de normal. Très bien. Le stress va être compliqué à gérer en combat. T'es sérieux là ? On est dans la merde. Enfin, je fais de mon mieux. Hein. Juste que les machins sont très forts. Enfin, ont beaucoup d'HP en fait. Toi t'es mort. Inspiration and improvement. Mais du coup ça sert à rien en fait. Voilà, comme ça on a enlevé les cadavres au moins. Ah, il peut faire que ça, lui, en fait, je crois, qu'une fois qu'il est devant. Très bien. Il y a trop de trucs. Foolish horrors, brought low and driven into the mud. Il y a encore un combat ? Ça va, hein, encore, putain. Ah, on est pas chanceux. Hein. Pas chanceux du tout. Je crois qu'on peut virer les torches. The light, the promise of safety. Oh putain, mais quel débile. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Un mauvais personnage, désolé. Lol. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. In radiance, may we find victory. J'espère que le boss va bien se passer, hein. J'ai un peu peur maintenant. J'ai vraiment un peu peur. Tu vois un peu les résistances que t'as au monstre ? Il résiste pas mal tout en fait. Ah, c'est très potable. Infection 112. Ouais, le saignement, ça reste de la merde. A devastating blow. Non, pas ça. Precision. And power. Ah, il va avoir le debuff. Ah, mais je crois qu'on peut l'enlever avec des objets.
living. Bon, bah voilà, on y est. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. On y est, on y est. Non, on peut peut-être garder ça. Donc. Voilà. Donc. Ok. Pour les habilités, on a. Donc, on va mettre le. On va garder l'infection, l'esquive, le tank, les dégâts. J'ai envie peut-être mettre un peu de soin. Ou alors on. Non, on va garder ça parce qu'il nous faut quand même de l'attaque au cas où. Toi, ça va pas te servir ça. Donc, on a dégâts réduits et protection réduite, c'est pas mal. La marque, ça sert à rien, si. Si, le lancer, mais on s'en fout du lancer. Ok, je crois qu'on est. Je vais être honnête, j'ai un peu peur, mais je crois qu'on est bon. Parce que honnêtement, je sais juste que c'est des. Je crois que c'est une sorte de plusieurs pirates en fait qui sont dans un bateau. J'ai l'image de ça en fait dans la tête, mais je me rappelle plus ce qu'ils font exactement. Donc on va voir. Mais là, ça m'a l'air ok. Ouais, c'est ça. The captain shouts his orders, and the crew obeys. Je sais pas pourquoi elle est passée devant, mais. Oh, lui, il va pas m'accrocher avec son bâton. Cette ancre là. Oh putain, il a deux actions. Ok. Ah, mais ça va en fait pour toucher. Celui-ci, c'est 1 et après, c'est 2-3. Ça va. Allez, par contre, ça me fout dans la merde. Intéressant. Ah, c'est des impies. Ah, j'avais raison. J'avais raison. Ok, donc tu vas faire mal. Attends, parce que là il faut que je contrôle à quel endroit tu peux faire quoi. Parce que là je vais être. Si je passe devant, tu vas te retrouver en 3. Je crois qu'on va faire un. Je crois qu'on va faire ça, et lui il va pouvoir cracher dessus. Très bien. Ah merde, mais c'est elle qui va se faire accrocher, non? Je sais plus. Je dois d'abord débuffer. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mais merde. Je crois que ça allait toucher tout le monde, en fait, non? Infection 20%, saignement 60%. C'est sans déconner, 20% et tu loupes. Oh, t'es full vie, espèce d'enfoiré. Ah mais je peux bouger ? Oh, ok.
Ok. Faut que le, lui, il passe devant, là. Là, ça fout la merde. Casse-couille. Ça aide, c'est bien. Nickel! Bien joué. Infection, comme ça l'autre elle fera très mal. L'avancée de 2, c'est elle qui va se retrouver devant du coup. Merde. 37. Ouais, c'est mal joué. Pas parfait, quoi. Vigueur. Ouh, c'est trop stylé. Oh, je voudrais tellement le, l'image. Oh! Classe. Oh, je voudrais tellement l'image. C'est super classe. Alors... Putain, on a besoin de rien soigner, en fait. C'est abusé. C'est vraiment pour... C'est le moral, en fait. Et nous, on a pris un truc qui stresse les gens. Très bien. Il est toujours empoisonné, ouais. Ça, je peux pas le faire. Notre copine devrait faire mal. C'est con parce que je peux pas buffer l'esquive. Hein, parce que elle arrête pas de bouger. 21 à 38. 37. Putain, faudrait qu'elle fasse un critique, ça serait vraiment bien. On va faire ça sur toi, parce que tu vas me l'attraper sinon. Enfin, tu vas me l'attraper, donc... ça va être lourd. 4 à 7. Marquement forcé. Ah ah. Elle a loupé. Il a loupé ? Cool. Ah, le combat est sympa, hein. Le combat est sympa. Le combat est très très sympa. Très bien.
C'est combien? 8 à 14. Ouais, ça en fait c'est mieux si on le fait plusieurs fois d'affilée. On va faire ça. Ah bon, on l'a tué. Ok, je pensais que... Bloup, bloup, bloup. Je pensais qu'elle allait le finir. Eh ben, pas mal, l'équipe, pas mal. On a un combat là-bas à faire. Non, ça va. Très joli. Avec, ouais, 10 000, ça va. Alors, critique plus 8, si malédiction pour purisanguinaire. Ah oui, ça, je crois que la malédiction pour, on m'a expliqué qu'il y a plusieurs stades, en fait. C'est comme si on avait un... Enfin, c'est un vampire, quoi, qui commence à avoir soif. Et quand on lui donne du sang, du coup, il a des... la puissance décuplée. C'est pas mal aussi pour faire, du coup, avoir des dégâts en plus, je crois. Donc, peut-être pour les DPS, en fait, ça peut être intéressant. Ouais, tout ce qui est DPS. Bon bah, c'était cool. C'était cool. Bon épisode. Irritant, to some. A sanguine memory to me. Alors, moins de stress, nickel. Que dalle. Donc on a eu ça, on a eu aussi ça apparemment. Dégâts de mêlée croisés. Pas mal. C'est pas mal, ça a juste des dégâts tout simple. Et oui, il y a le soin, mais... C'est pas comme si il soignait beaucoup. Donc il nous manque des contrats. À chaque fois, c'est les contrats que je prends pas, apparemment. Ouais, faut absolument récupérer des contrats. Non, attends. Ici, c'est contrat. Là, c'est... Ça, portrait. Donc contrat et portrait, il me manque. Et ça, il faut les garder, les blazes. Donc, les bustes, à la limite, je peux les virer. Ça, je les garde, les éclats, parce que ça a l'air d'être trop chiant à récupérer. Donc, buste en contrat, par exemple. Ça en ferait 32. Ça en fait 50. Yes. Every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Très bien. On commence à être très proche du moment fatidique. Ah putain, des fois j'ai des mots qui sont dans ma tête et j'arrive pas à les prononcer. Bon bref, vous m'avez compris. Pour aller là. Pour aller... au donjon, au darkest dungeon. C'est très bien cet endroit, la crique est vraiment cool. La crique, c'est peut-être un des endroits que je préfère du coup. La tanière... je sais pas, les deux, je les aime pas trop. Donc du coup, toi... On va s'arrêter là, je... Ouais, ça, on va s'arrêter là, ça fait un bon épisode. Toi, t'as quoi d'intéressant? La robustesse, c'est bien. Compétence à distance, dégâts en plus. Je sais pas si les dégâts en plus en fait de la compétence, c'est bien. Enfin si, ça, c'est pas mal. Et ça aussi en fait, ça fait des dégâts en plus. C'est pas vraiment le truc qu'on va spammer, parce que le mieux c'est quand il se transforme en monstre, mais c'est intéressant. Au final ça a bien fonctionné, hein. Ça a très bien. Mais encore une fois, je crois que, faut le dire, c'est... les babioles de haut niveau, hein, de très haut niveau. Pour les niveaux 1, là, c'est vraiment les babioles qui font... et le fait qu'on peut tout augmenter aussi. Toi, non, pas intéressant. Chance de vertu, on s'en fout un peu. Il y a luminosité qui est sympa. Donc on peut loquer ça.
vitesse 4 au premier tour, ça aussi c'est sympa. Et elle, elle devient de plus en plus intéressante, donc j'ai bien envie de locker ça direct déjà. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On a 33 000 sur nous. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? On fait le donjon ou pas? Qui c'est qu'on pourrait prendre pour le donjon? Je sais pas à quoi il ressemble, le boss de fin. Je sais pas ce qu'il fait. Après, moi, j'aime bien avoir un truc un peu safe. Donc, genre ça. Gérald a la peau dure, toi t'as quoi? À la limite l'Hérald. Ouais putain il faut fou. Elle est en, toujours en 3. Oh là là, il me faut plein d'argent. Oh. Docteur. Et on joue en debuff. Ouais mais bon, est-ce que le boss de fin il prend les debuffs? C'est ça le truc. C'est la question. Alors après on peut jouer sécurité avec ça. Avec Vanguard. Ou alors on joue plus DPS. Avec Pharam. Aha. Avec Pharam. Mais il peut faire aussi office de tank. Ou alors on full DPS de ouf et on utilise le Hunter. Ça aussi, ça peut être pas mal. Faut voir si on fait ça. Si vous, canon de ténébreux est abandonné, tous les héros ne sont pas garantis de survie. Quelqu'un devra se sacrifier pour retenir l'ennemi durant la fuite des... Ah ouais, sérieux? Mais attends, on peut acheter des objets. Non, tu me lances pas... T'es pas en train de me lancer en combat comme ça? On peut voir. Oui, voilà, on peut acheter des objets, ok. Ça marche. J'ai eu peur. Genre, il n'y a pas de provision, rien, il me lance direct. Ouais, non, ça peut être utile. Mais, par contre, c'est le stress de lui, ça me saoule. Donc moi, je verrais bien comme ça. Voilà. Ou après, à la place de Pharam, on prend qui? Ah, j'aimerais bien prendre Giant Dad, mais il est pas encore 6. Après, on prend le Hunter. Ouais, mais on n'a pas de tank, de vrai tank. Non, moi je vois bien ça. Comme équipe. Après, est-ce qu'on peut camper? J'en sais rien. Je sais pas, c'est en... Il dit c'est en quoi? C'est en moyen, mais bon, ça veut pas dire qu'on peut camper, parce que... Genre là, par exemple, il y avait... on pouvait acheter de la nourriture, mais on pouvait pas camper. Donc s'il faut, là on peut pas camper. Donc imaginons qu'on campe pas. Comme ça. Ouais, non. Si on joue en dot, je pense que c'est pas mal. Du saignement. De l'infection partout. À tous les rangs. Avec du stun à tous les rangs. Elle qui soigne. Comme d'hab, quoi. Et lui qui peut tanker si besoin. Genre comme ça. Et il peut stun, il peut baisser le stress. Il peut faire des bons dégâts aussi, parce qu'il est quand même bien, honnêtement. Donc ouais, c'est pas mal. Et ça coûterait combien à monter cette équipe? Si on le fait pour la prochaine fois. Que je rigole un peu. Donc ouais, en gros 10 000. 15.
Oh mon dieu. Oh putain. Oh, y'a tout qui passe quoi. Ouais, y'a tout l'argent qui y passe. Après, c'est pas une équipe qui fait énormément de dégâts, c'est juste les dots en fait. Mais elle est solide au moins. Elle est solide. Ah putain, c'est du long ça, fait chier. Vas-y, faut voir si on a. 5, 2. Ça aussi c'est long. Putain, merde. Oui, je sais, arrêtez de me faire chier. Faudrait augmenter elle. L'arbalétrière là. Qu'on puisse faire le boss finalement. Donc l'arbalétrière. Tiens, ils arrêtent pas de parler, ça me rend fou. Donc l'arbalétrière, lui. Donc. Arbalétrière soin. Ça vous ferait deux. Les trois ils sont trop haut niveau donc c'est mort. Du coup avec lui 3. Ah bah du coup ces 4 là. Peut-être. Ah ça peut être pas mal. Ces 4 là. Pour faire un run. Ouais mais c'est pas vraiment un run argent en fait. Merde, j'avais oublié. En vétéran. Bon, la prochaine fois on fera sûrement un run argent je crois. Parce que je vais pas avoir assez pour... En fait, il faut de l'argent pour pouvoir équiper nos héros pour le dernier donjon. Et le problème, c'est que c'est rien que la forge. J'ai même pas compté la guilde. Ah, quoique. Ah non, si, quand même. Il y a quelques... Oui, non, si. Il y a quelques points à mettre. Donc ça fait encore plus d'argent. Donc il me faut au moins 50 000, je crois. Ouais, je crois qu'il me faut au moins 50K. Un bon 50K. Donc ça sera pour la prochaine fois. On fera de l'argent en vétéran avec encore l'antiquaire. Mais ça va, ça avance bien, tout se passe bien. Merde. Tout se passe bien pour le moment, je suis content. À la prochaine, ciao.